Salut les geeks, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une nouvelle sorte de vidéo. Et on a abandonné le concept de la fight pop. C'est ça. L'heure est grave mes amis, parce que on est faible, très faible. Ouais. On a on a succombé, on a craqué. Bah, on s'était dit qu'on avait arrêté les Funko Pop, mais la preuve est là. Voilà. On s'est passé quelque chose. Voilà, c'est qu'on a replongé, on est retombé. Voilà. Donc du coup, on était en cure de désintox pour les Funko, mais voilà, on a replongé. Tout ça à cause de la série qu'on va vous présenter. En fait, on est passé devant le rayon, on les a vues, dont une, et on a dit on recommence. Nous les faut, obligez-nous les faut. Du coup, on va reprendre notre ancien concept où on présentait 5 pop avec une exclue à chaque fois. C'est ça, comme l'ancienne chaîne Friends and Geek, on refait comme l'a dit Rome, et ça vous plaisait bien. Donc on attaque. Allez. Et donc, du coup, pour ce thème de pop. Quoi de mieux que Avengers. Infinity War, bien sûr. Voilà, le film d'actu, donc voilà. C'est parti, allez. On commence. Allez, on voit, ça nous fait plaisir. On va commencer avec le petit Captain America Infinity War. Captain. dans toute la collection, vous pouviez voir Iron Man, Thor, Spider-Man, il y a Captain America, Thanos, Corvus Glaive, Ebony, on a Proxima Midnight, on a Groot et le Hulkbuster. Bon, après, il n'y a plus de surprise. Hein. Voilà. Donc, c'est clair. Une sacrée belle collection. Juste de calculer. On va commencer. Donc, par contre, la différence avec la première fois sur le channel, c'est qu'on les achetait toutes. Là, je suis pas sûr qu'on va les acheter toutes. Par contre, on va peut-être faire plus au coup de cœur. Parce que franchement, il y en a 2-3 que j'ai vu en vrai, genre Corvus, tout ça, et Bonnie, ça nous branche pas plus. Je pense que par contre, Thanos, il va nous faire. Ouais, Thanos. Mais ouais, je pense qu'on va faire plus. Ça aurait été plus sympa qu'il arrête un oversize. Ils ont pas mis de Black Panther, tu vois. Ils ont pas mis de. Oui, c'est vrai. C'est la première vague, ouais, je pense. C'est ça, on verra. Donc, c'est parti. Les Captain, ils ont pas mis son fameux bouclier du Wakanda. Ils ont mis son super bouclier. Mais voilà la belle. Elle est sympa. Très jolie. Petite pop. La petite pop de Captain avec le book et tout, tranquille, elle est classe. En vieux. Ouais, en vieux. Hulk de Captain. Elle est très belle. C'est les nouvelles vagues de pop, elles sont bien faites. J'ai bien vu, moi, avec les boucliers en forme T, en forme de pointe. Du pointe, c'est nouveau. Ça aurait été classe. Peut-être dans la prochaine vague. Voilà, en tout cas, bon, Captain, comme d'habitude. Donc, comme d'habitude, on met les pop là-bas. Ah, ça rappelle des souvenirs, tout ça, c'est bon. Allez, bah écoute, moi je vais enchaîner. Alors, celle-ci, ce que je suis un peu déçu, c'est que déjà, Dune, il a pas son cachet. Bref, c'est Thor, voà, je vous la présente. Thor, voilà. Et donc du coup, sur celle-ci, déjà, c'est la tête de Captain, tu vois, c'est la même, tu prends la pop à côté, c'est la même tête. Ouais, c'est vrai que oui. Oh bah ils se sont pas fait chier, là ils sont complètement avec le même book. Concrètement, ils se sont pas fait chier, c'est le même book, voilà, tu vois, c'est la même chose. Il a donc sa hache, d'accord. On va pas spoiler ni quoi que ce soit, donc voilà. Donc du coup, sa nouvelle arme, il a donc l'œil abîmé. Bref, on spoil pas, vous regarderez Thor Ragnarok, vous aurez vu Thor 3. Voilà, vous irez le voir. Du coup, bon, elle est sympathique, mais pas mal, elle est pas mal. C'est un Thor, quoi. De toute façon, perso, moi, vous le savez très bien, mon perso préféré, c'est Iron Man. Ils ont quand même fait des nuances dans la barbe. Ils auraient pu faire copier-coller. C'est vrai. Allez, on y va pour la troisième pop. Prochaine. Et elle est très belle. Donc, c'est Groot. Ouais, Groot. Donc, normalement, un nouveau Groot, Qui est bien badass aussi dans celui-là. Le producteur des Gardiens de la Galaxie avait dit que Groot était bien mort et que c'était un nouveau Groot qui était là. Oui, il y a des. Ils mettent des petits fous dans chaque. Stylé. Dans chaque. Ils mettent des petits fous. J'ai hâte de voir ça. Elle est géniale. Elle est super sympa. Elle est jolie. Elle est super sympa. Hop, je sais pas si ça marche. Elle est super sympa. Avec son petit fusil. Il manque plus que Rocket Raccoon. Bon, il va y en avoir, je pense. Elle est super jolie, elle est bien. Il va y avoir une sacrée vague. Elle est toute petite. Donc un joli petit Groot, elle est belle aussi. J'aime bien, moi, avec les petites... Mince, j'ai failli les... Bon, par contre, elle tient pas comme celle-là. Elle tient pas. La tête est trop rose. Notre fameux problème de la pop avec la tête trop rose, c'est peut-être un socle, celle-ci. Elle tient pas du tout. Non, attends, il y a peut-être un socle. Non. Non, pas de socle. Non, il y a pas de socle. Ça, c'est le problème avec les personnages féminins. Et d'ailleurs, quand on parle de personnages féminins, on a pensé à vous, mesdames. Eh oui, Black Widow. Waouh. C'est clair que faut qu'elle soit là avec lui. Scarlett. Appelle-moi. Une sacrée. Et elle a bien son socle, tu vois. Ah ouais. C'est une fille. Il y a que les filles qu'on essaie en fait chez Funko. Pourtant, on est sûr qu'elle. Ah non, elle tiendra peut-être pas, non. Tu crois? Non, elle tiendra pas. Avec son double. Oh, tiens, voilà. Son double bâton. Elle a un petit socle en plus, voilà. Attends, je vais le mettre parce que sinon ça tiendra pas. Oh là là là. Non, franchement, ça fait vraiment plaisir de redéballer des pop. Franchement, j'avoue. On avait dit qu'on n'y reviendrait pas, mais bon. Quand il faut, on est faible, donc tu sais comme ça. Et comme d'habitude, je n'arrive pas à mettre les socles dans ces putains de
Pied de Funko, ça me gonfle ça, voilà. Voilà. Eh, allez. Voilà donc Scarlett avec sa nouvelle coupe de cheveux. Waouh. Voilà. Et, sa nouvelle arme. Sa nouvelle arme du coup. Elle a des bâtons électriques maintenant. Des doubles bâtons qui se mettent. Une très très belle pop aussi. Très très belle. Elle est très sympa aussi celle-ci, j'aime beaucoup. De toute façon, je crois que toute la vague, c'est pas mal du tout. Voilà. Et enfin, on arrive à la cinquième pop, donc c'est-à-dire une pop différente. Pas de grosse surprise, vous vous doutez bien. On a dit Infinity War. Et là, c'est notre nouveau Graal pour ceux qui nous suivent, enfin, qui nous suivaient sur Friends and Geek. Il s'agit du Hulkbuster 2, le V2. Et voilà. Donc on avait le, on a le V1 et maintenant on a le V2. C'est ça qui est bon. Allez, on y va. Sors la bait. Plus qu'à attendre la V3. Oh putain. Oh, les balaises. Elle est jolie. Allez, vas-y. Sors la bait. Oh, wow, wow, elle est pareil. Elle est aussi jolie. Elle est aussi mastoc que l'autre, en vrai, c'est clair. Ouais, très très belle pop. Là, en fait, voilà. C'est con qu'on ait pu la première, on aurait pu faire un comparatif. On aurait pu faire un truc, quoi, du coup. Elle est bien badass. Bah voilà, c'est à cause d'elle, en fait, qu'on a repris la collection. Parce qu'on est passé devant, on l'a vu, on a dit, non, bah là, on peut pas y échapper, j'ai oublié. À faire fondre, waouh. Ah ouais. Putain, il y a du poids. Waouh, elle est vraiment stylée. Très très jolie. Nouveau Hulkbuster, ça fait plaisir par contre. Ça fait vraiment plaisir le Hulkbuster. Allez. Alors attends, parce qu'il faut qu'on le remette lui le Hulkbuster là. Il a de la place. Il va écraser Groot. Je s'appelle Groot, allez relève-toi. Et voilà. Et ben ça fait une belle collection. Ouais, franchement, on est vraiment trop content de vous représenter des Funko comme à l'ancienne, ça fait plaisir. Les 5 premières Funko qu'on a rachetées. Et voilà, c'est nos 5 premières. Donc on repart sur une série. Donc on va vous présenter après, je pense on fera la présentation. Oui, il y aura plusieurs thèmes. Parce que du coup on a les autres aussi, il y a Iron Man, on a Spider-Man, on a Thanos. Bah après il en manquera deux pour faire la série, je sais pas. On verra. J'ai vu une exclusive, je vais pas spoiler parce que c'est dans une box qui va arriver bientôt, mais j'ai vu une exclusive de la Marvel Collector Corps qui est une Infinity War, elle est énorme aussi, donc je sais pas, peut-être. On verra. En tout cas, voilà, ça fait plaisir, donc dites-nous dans les commentaires quelle est la pop que vous préférez. Moi, de toute façon, sans grande surprise, c'est le Hulkbuster, forcément. Moi j'aime bien Captain et puis Black Widow. C'est Hulkbuster, c'est sûr. Bon bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin, donc dites-nous dans les commentaires si vous avez bien kiffé, si vous êtes content qu'on refasse ces vidéos. Ouais, qu'on reprenne. Ouais, carrément. N'hésitez pas à partager vos collections Funko avec nous sur les réseaux sociaux, donc vous avez tous les liens dans la description. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao.